Si vous faites brancher sur page Facebook et chaîne YouTube Fédération, on a rappelé que on est troisième jour pour semaine en phase sur la santé que département santé Fédération l'a organisé. Dans quelques minutes, nous parlerons avec nous Dr. Franck Généus qui va présenter nous à soi un sujet spécial. Sujet ça, c'est sur exercice physique. Mais entre-temps, nous gagnons avec nous sur le panel là, yon zami, yon collègue et yon sportif tout. Nous pral kite ke li présent, li saluer nous et di nous en quelques mots, deux trois bagay qui motive l pour capable pratiquer au sport. Parce que c'est yon moun qui remet sport en pile, surtout football, chaque dimanche matin. Li a donné presque totalement à sport ça qui c'est football. Je nous te dis là n'a permettre li saluer ou et pour di nous en quelques mots qui ça qui motive à pratiquer un sport ou bien pratiquer sport quotidiennement surtout football nous connaît qui c'est passionné. Eli bonjour. Bonjour Miss Bazoli. Je vous remercie parce qu'on invite soir là avec aujourd'hui. Je salue tout le monde, internet, tout le monde qui a regardé nous pour nous aujourd'hui. Moi-même, j'ai plusieurs choses qui intéressent mon affaire sport. Et ça qui me motive, je suis capable de considérer deux points. Moi, je pratique le sport parce que je m'aime. Je pratique le sport tout parce que je veux être en bonne santé. Je ne parle pas de santé à qui ça me plaisir. Pour moi-même, un monde qui pratique le sport, c'est un monde qui est mobile. C'est ça qui fait, le matin, je me lève bonheur, surtout dimanche matin. Je me lève bonheur, je me sortis, je me bien respiré, je fais sport. Et moi, sport que je pratique, même, c'est football. Ça vient de moi. On est mobile, si je me règle, je courir rapidement, je me respire bien, je me sens mal à l'aise, c'est ça qui fait que je pratique sport chaque matin. Le plus souvent, le dimanche. En effet, Oueli, nous avons dit que bon Dieu créé nous. Des êtres mobiles, les créer nous pour nous capables de bouger en pile, parce que si nous pas bouger, faut me dire ça que cellules non corps nous n'ont pas capable de régénérer. Et en plus de ça, nous t'as parlé de nos affaires coronavirus, ils ont parlé en pile de booster système immunitaire, sport sont activités qui permettent que et système immunitaire nous les booster en pile. Et en plus de bouger que et sport a permettre ou bouger, qui l'autre bien fait comme si qui ça senti l'autre pratiquer sport comme si qui apport qui dans physique ou senti que qui bien fait qui bénéfice ou senti que sport a apporté pour physiquement et même mentalement nous ta capable de dire. Sport aide me courir et de me chasser stress. Et m'a fait sport me sentir content. Donc, journée, toujours bon pour moi. Donc, matin, moi, que le sport a été ma pile, je me dis, je me courir, monter, je me courir, descendre, je me sens mal à l'aise, journée, je me sens que j'ai un humeur qui est différent par rapport à l'autre jour, je ne peux pas pratiquer le sport. Donc, c'est ça qui fait toujours encourager les gens à pratiquer le sport. Et ce n'est pas seulement le football, c'est le monde qui est capable de jouer. Nous sommes capables de marcher, nous sommes capables de faire natation, nous sommes capables de faire l'autre sport toujours. Donc, encourager tout le monde à faire sport. Et il y a des gens qui disent que. Yo même puisque nous vivons en Haïti, nous pas posséder un véhicule et que tout côté nous aller c'est à pied nous marcher, donc nous tout fait sport naturellement. Et à mon ça yo, moi même m'a dit particulièrement que et juste lever que ou marcher à un rythme irrégulier, c'est pas de sport ça que nous voulons parler. Nous voulons parler de introduire sport dans rythme la vie quotidienne parce que chaque jour ou qu'on est par exemple ou gain pour lever ou gain pour baigner ou gain pour brosser dents ou gain pour prier mais ou vinn mettre sport dans la vie ou comme une activité normale pour faire parce que j'en saut dit tout à l'heure sport lié d'un équilibre mental lié de chasser stress
li ede ke ou sent ou à l'aise, ou sent ou bon calme, ou sent ou bon sérénité, et ou te parle de humeur tout. Ou te parle de humeur ou senti ki normal, en bref, ou senti ou à l'aise, ou bien en peau, l'eau a pratiqué un sport. Eh bien, amis internautes, c'est ça que nous venons inviter aujourd'hui. À partir de sujet ça, nous pas aborder tout détail, mais docteur là il va nous en pile détail de qui ça sport aye, de qui bénéfice la porter dans la vie quotidienne nous, qui rôle li joue dans santé physique nous et dans santé mentale nous. Et surtout comme thème semaine de prière là la parler de émotion nous yo sur cerveau nous et li saute parler nous de humeur nous que sport a capable bénéfique pour lui. Donc docteur Abwal dit nous plus bagay sur ça nous doit connaître sur avantage exercice physique. Mais juste avant nous connaît que faut que nous prions, nous va passer place à moun cap introduit nous sujet à par la prière. Et pour nous quitter où n'a dit au merci Eli de ce que tu pratiques pour participer avec nous sur panel là. N'a rappelé les amis chaque soir, invitez famille, invitez amis, invitez tout le monde capable de rencontrer pour capable venir suivre programme ça sur page Facebook Fédération Centrale Adventiste en Haïti avec chaîne YouTube là ou pas perdre ça, moi bon garanti ça. Donc à bientôt, ça n'a pas dit, internaute Yo Eli. À demain soir. Moi invite aux internautes, baissez ta tout pour nous capables de faire un coup de prière. Seigneur Jésus, nous disons merci pour grâce, pour amour manifesté à l'endroit de nous-mêmes, petit tout. Merci pour cadeau la vie et la santé que vous faites à nous-mêmes. Alors que Seigneur, dans la semaine ça, nous allons mettre accent sur comment nous sommes capables de vivre en santé, comment nous sommes capables de jouir de un bien-être physique, mental, social et spirituel, alors que nous sommes sur la terre toujours. Nous allons apprendre tout le ça au cours de semaine ça et pour nous-mêmes qui te connaissons déjà, nous allons gagner un rappel et pour nous capables de partager avec l'autre qui beaucoup connaît. Béni, orateur principal là qui va parler avec nous chaque soir, permettre que nous tout faire gros provision et mettre en pratique pour nous capables vivre en bonne santé. Nous prions, c'est au nom de Jésus qui a vive et qui a régné pour tout un temps. Amen. Chaque jour je nettoierai dans les moments.
Avez-vous déjà souhaité de ne pas avoir à plier le linge, tondre la pelouse ou sortir les poubelles? Une étude publiée récemment dans les archives de la médecine interne a révélé que les personnes âgées qui dépensent le plus d'énergie dans les tâches quotidiennes étaient moins susceptibles d'avoir des déclins mentaux en vieillissant. Les participants au groupe le plus actif étaient de 91% moins susceptibles de connaître des déclins dans la mémoire, la concentration et les capacités linguistiques après 5 ans que ceux du groupe le moins actif. Et c'est un fait. Mais il y a de l'espoir. Bien qu'un programme d'exercice régulier soit une partie importante d'un mode de vie sain, ne négligez pas l'activité physique tout au long de la journée. Les personnes du groupe le plus actif ont brûlé la plupart de leurs calories dans les activités de la vie quotidienne, plus de marches, plus d'escalier, plus de travail social et de bénévolat, et ayant simplement bougé plus dans l'ensemble. Bien qu'elles ne soient typiquement pas considérées comme exercice, ces activités physiques font accélérer notre rythme cardiaque et améliorent la circulation, protégeant également la fonction cérébrale. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Dr. Guillaume et je suis physiothérapeute. Je m'appelle Timothy Freeman et je suis un prosthétiste. Nous représentons le département de réhabilitation. C'est notre mission de fournir des soins de réhabilitation supérieure pour tous les patients pour qu'ils puissent obtenir leur capacité maximale. Pour accomplir cette mission, nous avons des nouveaux services qu'on va commencer. On va avoir le service de prosthésie qui va recommencer avec ce département. Et aussi, nous avons déménagé pour un local plus grand pour qu'on puisse recevoir plus de patients. Venez à HAA changer la vie pour que tout le monde on peut expérimenter l'amour et la grâce compassion de Dieu en action. Bonjour à vous tous, mon nom est Joseph Picard et je travaille à l'hôpital de Montigny-Zéquilly dans le département de la réhabilitation. Donc aujourd'hui, avec un grand plaisir pour moi de vous lire ce passage biblique qui se trouve dans Luc 13, verset 33. Et ça se dit ainsi. Cependant, il ne faut marcher aujourd'hui, demain et le jour suivant, parce qu'il n'arrive point que le prophète meure hors de Jérusalem. Ainsi s'achève la parole de Dieu. Assoyez dans le cadre du programme conférence en forme 2020. Nous parlons d'exercice physique, faire le plein d'énergie. Si les individus qui sont physiquement actifs dépensent significativement moins d'argent en médicaments chaque année. C'est simple pour la prévention des maladies et le contrôle des épidémies aux États-Unis, ça veut dire le CDC, qui fait des études et en conclusion, études dans l'Irvine avec les FASA. Le monde qui est actif physiquement, qui ont remarqué que dépenser moins l'argent dans les médicaments, pas comparé avec le monde qui n'est pas actif. En fait, ils ont même fait déclaration ça, que aux États-Unis, la majorité de la population ont adopté pratiques d'exercice régulièrement, le pays a économisé plus de 70 000 millions de dollars. Donc, nous voyons que l'exercice physique, c'est une activité extrêmement importante pour la vie et pour le bien-être. Le corps est fait pour bouger, nous sommes faits pour bouger. Et ça nous relie dès le départ, déjà avec Genèse. Genèse 2, au verset 13, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Constitution physique pour nous est faite pour nous capables de pratiquer des activités physiques. L'homme pas concevoir pour te chita tout le temps derrière le bureau ou bien derrière un volant machine, mais pour te faire des activités physiques. Nous voyons aussi que notre maître, Jésus, régulièrement, était adonné à la marche régulière. Ça nous a gardé lui facilement au niveau des films que nous avons gardé. En fait, nous savons que à tout âge de la vie, les activités physiques ont amélioré la force, la vigueur, la vitalité et la santé de l'individu. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire des activités physiques et on remarque que
les questions, les changements physiques, les changements dans la santé que l'exercice physique apporte, ce sont des changements qui sont pratiquement immédiats dans la vie de ceux qui pratiquent l'exercice physique. En nous gardant ensemble, qui sait que l'exercice physique, là, lui-même, nous porte comme avantage au monde qui pratique. L'exercice physique, là, lui augmente la vitalité et la joie de vivre. Lui augmente la fréquence respiratoire et avec cela, lui augmente l'apport de l'oxygène, lui permet que le cerveau, nous corps, nous oxygéner beaucoup mieux. Lui améliore la santé du cerveau et la santé du cœur. Lui renforce, lui améliore la circulation. Lui renforce la santé en améliorant la circulation du sang. Lui augmente la souplesse du corps. Lui renforce les os et lui maintenir la masse musculaire qu'on gagne. Il faut savoir qu'à un certain âge, on gagne des os qui commencent à perdre la capacité, la épaisseur, c'est ça, ou l'ostéoporose. Et il fait ni qu'un garçon ni qu'une fille, même si il peut accélérer qu'une fille que qu'un garçon. Il peut remarquer qu'une fille que qu'un garçon, mais dégénérer sans ça, il fait. Et au niveau de qu'un garçon en particulier, quand tout le monde qui dépasse 35 ans, 40 ans, on gagne une diminution de environ 2 grammes par jour, une déperdition de 2 grammes par jour au moins. De muscles qui fait régulièrement dans le corps, ça fait qu'à un certain âge, ouais, que prise de poids est bien accélérée que les garçons, que les filles. Il augmente la résistance nous, aux maladies et puis il réduit taux mauvais cholestérol, il réduit risque cancer que nous sommes capables de gagner en éliminant les graisses. Il faut savoir que la présence de graisse, c'est une cause fondamentale qui produit beaucoup plus de cancer, il réduit la pression artérielle, il réduit le risque pour prendre du poids et pour perdre, pour capable d'éliminer le poids aussi, c'est l'exercice physique qui aide à nous faire les. Il gagne un effet anti-vieillissant qui est connu, il diminue le risque pour capable à faire maladie comme le diabète de type 2 et puis il aide à prévenir les maladies de type 2. Dégénératif. Dans les faits, adopter un programme régulier d'exercice physique, c'est une décision essentielle, c'est une décision que chaque monde doit prendre dans la vie aussi pour comprendre. Maintenant, nous connaissons que il vaut mieux que on gagne un poids qui est stable, un poids qui est bien et bien contrôlé, plutôt que à gagner des changements au niveau de prise de poids pour augmenter ou diminuer, surtout de façon significative. Il fait plus de mal à l'organisme que quand pour maintenir un poids normal, un poids naturel sur un long terme. Cela prend du temps pour installer de nouvelles habitudes. C'est pour ça, pour installer habitude exercice physique régulier, il est recommandé aux capables de trouver une motivation de départ. Une motivation de départ, bien droit, c'est le fait que vous estimez que dans le genre où il y a, vous avez une meilleure forme physique, vous avez changé et forme, vous avez changé, waouh! Et ça, c'est peut-être une première motivation capable de gagner. Bien droit, c'est une maladie qui est capable de faire prendre décision pour dire que vous allez pratiquer régulièrement de l'exercice physique maintenant. Bien droit, c'est le fait que vous sentez que vraiment santé ou le corps, pas en bon terme, genre, vous avez un lié et vous avez senti mieux et vous commencez à prendre décision pour pratiquer exercice physique. Pour pratiquer un exercice physique de façon correcte, il faut établir un calendrier, il faut savoir qui exercice pour vous faire, qui l'a fait, qui doit faire et comment pour faire exercice. L'exercice physique est connu pour travailler sur la santé mentale. Semaine ça, songez bien qu'on a parlé de comment on est capable de faire gestion de la santé mentale, la gestion du stress et booster le système immunitaire. Et pour ces deux choses, l'exercice physique nous révèle un ingrédient essentiel. L'exercice physique, comme nous disons tout à l'heure, améliore la santé du cerveau. L'exercice physique il agit directement sur le stress, sur la dépression et sur l'anxiété. Et ces actions, ce sont des actions qui ont été bien documentées. On sait qu'avec l'exercice physique, notre corps produit des hormones qui sont des hormones essentielles pour capable permettre que cerveau, que corps capable d'être en situation de relaxation. Ces hormones, ce sont des hormones que nous les doses, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. L'exercice physique, de façon particulière,
permettre que le corps a libéré de l'endorphine, qui est de la morphine endogène, et qui permet de sentir ton bien et qui relaxe le muscles. L'exercice physique lui aussi permet que le corps produit de la dopamine, parce que la dopamine, c'est une hormone qui nous dit et qui nous procure la satisfaction d'avoir bien fait ce que nous voulons faire. Le fait d'avoir réalisé l'exercice physique nous permet de sécréter beaucoup de doses dans notre corps qui lui-même va avoir une implication sur notre bien-être, sur notre bonheur, mais de façon particulière sur notre stress, qui réduit le stress immédiatement, directement, mais aussi en termes de système immunitaire. L'exercice physique, il y a un paquet d'actions, un paquet de protection de corps à lui-même qui gagne. Adopter un programme d'exercice physique en fonction de l'âge, en fonction de préférence ou en fonction de capacité. Il ne s'agit pas de faire un exercice physique bien spécifique parce que je veux que cet exercice ça qui est bon, malgré que l'exercice ça n'est pas adapté ni à corps, ni à physique, ni à santé, ni à l'âge, par exemple, mais c'est adopter un exercice physique qui est adapté à vous-même. Lorsqu'on a adopté exercice physique, ça, il y a plusieurs choix, la marche, vélo et sortir ensemble, nous allons visiter les jardins, etc. Ou bien doit nager, ou bien doit faire jardinage, ou bien doit faire n'importe quelle autre activité, la danse, le chant, chanter dans une chorale reconnue comme une activité physique et valide et très, très intéressante. Et donc, on choisit qui activité physique, évidemment, d'autres activités plus structurées comme le gym ou bien un sport, du moment que ce n'est pas un sport de compétition qu'on fait, qui peut peut-être abîmer santé lui-même. Mais n'importe quel sport fait partie de cela. Toute activité qui fait qu'on bouge, qu'on valide par rapport à activité d'exercice physique régulier. Toujours trouver un alibi efficace pour bouger. Par exemple, si on est capable, préférer marcher plutôt que au plan machine, y compris taxi, y compris camionnette. C'est pour cela que une des choses que je recommande, c'est organiser des randonnées, organiser des sorties avec des amis pour nous aller marcher ensemble. Yo proposer aussi pour pas habiter loin de vos centres d'activité. Souvent, nous habitons à 1 heure de temps, 2 heures de temps de notre lieu de travail, ce qui fait que nous pas qu'à le travail, par exemple à pied, mais si nous habitons pas loin de travail, nous capables de marcher pour nous capables al travail. Alors, on prend exemple travail là, mais il y a n'importe quel autre exemple, il y a l'école, il y a marché, il y a n'importe quelle activité qui fait quoi, bouger pour capable faire activité ça, essayer ouais ces activités ça que qu'a fait sans qu'on va obliger prendre une machine pour un taxi pour une moto et pour le faire, mais faire lui sur deux pieds bouger pour capable faire activité ça. Investissez dans un centre de gymnastique et pour revenir à l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, quand on dit et essayer de trouver le plus d'habitude possible, il y a des gens qui préfèrent gagner des activités physiques qui sont encadrées par des moniteurs, encadrées par un espace, par un environnement. Donc, un centre de gymnastique peut aider à cela. Autre façon où on est capable de faire des activités d'exercice, c'est faire activité la carrière, des travaux ménagers, parler, laver assiette, et manger, et évidemment, la lessive. Également, si les ciblants ont fait de façon physique et le plus physique possible, transporter de l'eau, nettoyer machines et toute activité, ça aussi des activités qui vous donnent des alibis pour faire des activités physiques. Et éviter d'avoir toutes les choses à portée de main. Ça veut dire que nous devons travailler dans le bureau, pendant que nous travaillons dans le bureau, imprimante qui imprime les documents que nous gagnons, il n'est pas tout près ordinateur, parce que l'ordinateur n'est pas bouger pour me bouger, il n'est pas sous table à bon côté, mais il est bien loin. Je suis obligé de lever pour me déplacer, pour mal planer. Pareil pour n'importe quelle autre chose, peut-être de ranger la caillou, etc., qui permettent que ou toujours bouger, ou toujours virer monter, ou toujours virer descendre. Donc, avoir un groupe d'amis pour des exercices, préférez utiliser des escaliers et utiliser, pratiquer des activités en plein air, etc., etc., etc. Trouvez-vous des alibis, trouvez-vous des raisons pour capable de gagner des activités physiques régulières. Médecin, prescrivez de l'exercice physique à vos clients. C'est la recommandation qui est faite par Madame White dans Éducation pour la santé au 19e siècle et c'est vraiment l'une des recommandations que nous sommes capables de gagner dans le cadre du programme.
nous faisons un coup de prière. Éternel, bon Dieu, Papa, nous sommes dans le ciel là, nous remercions infiniment parce que nous avons une possibilité pour nous ensemble de participer dans ce programme. Programme ça qui peut les informations et les conseils pour nous capables de vivre ensemble. Donnez-nous, donnez les décisions que nous avons prises, donnez chacun, même tout en deux, programme ça et accompagnez-nous comme ça, dans le nom de Jésus. Amen. Notre corps a été créé pour bouger. Tandis qu'un mode de vie sédentaire augmente le risque de nombreuses maladies, l'exercice régulier est une excellente manière de booster sa santé et sa longévité. L'exercice peut vous être très bénéfique. L'exercice régulier augmente la force musculaire, améliore la circulation sanguine et augmente le niveau d'énergie. Il met de bonne humeur et réduit les risques de dépression. Emprunter les escaliers, jardiner ou sortir jouer avec des enfants sont des manières d'être physiquement actif. Mais, pour une santé au top, pratiquer une activité physique régulière telle que la nage, le jogging, le vélo ou simplement la marche rapide. Marcher est une excellente activité pour se mettre en forme et profiter de la nature. On peut la pratiquer n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel âge. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La vie éternelle. Les conférences en forme 2020 vous sont apportées par la FEDCHASS en partenariat avec l'Hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut SPEC. En plus de ces conférences, participez au programme En Forme de Santé Totale à Hôpital Adventiste d'Haïti, Dikine 63, et à la Clinique Hypersanté de Institut SPEC à Delma 19. Pour plus d'informations, suivez les pages Facebook de la FEDCHASS, de l'Hôpital Adventiste d'Haïti et de l'Institut SPEC. Ou contactez-nous par WhatsApp au 39 00 78 02. WhatsApp 39 00 78 02. Sourire chaque jour, je veux dans